Le serpent de mer sur la plage. Voilà. Amanda. Et là, en principe, on peut le voir aussi avec de l'eau, sans eau, recouvert et tout ça. C'est une œuvre assez magistrale, je dois avouer. Ouais, j'aime beaucoup. Et là, vous voyez toute l'estuaire de la Loire, de Saint-Nazaire à de Saint-Brévin. Et le pont de Saint-Nazaire, le bateau qui est presque fini, tout construit. Voilà. Et puis le pont de Saint-Nazaire. Je dois avouer que c'est assez super, j'aime beaucoup. Une famille là qui fait découvrir le serpent.